Zoufès. Salut! Hey, ça fait que là, tu te dis, mais coudonc, je le connais-tu, ce gros gars-là? Puis là, tu te rapproches, tu te demandes, coudonc, il est-tu vraiment gros? Non, il est pas si gros, il est un peu gras, ok? On va te demander de rester poli. Mais là, tu te dis, il est-tu drôle? Il est-tu pas drôle? On le sait pas, regarde, déjà, moi, je te connais pas tant que ça, hein? Puis on n'est pas certain si toi, t'as le sens de l'humour. Est-ce que ça va matcher? Pas mal certain. Parce qu'il y a une affaire de classe, c'est que si tu te retrouves dans une salle pendant que je suis en train de faire un show d'humour, m'a réussir à te faire rire, m'a te faire passer du bon temps, on va triper, c'est clair, clair, clair. Ça, c'est une affaire de clair. Et là, tu fais coudonc, ce gars-là, il respecte-tu? Ça va-tu être de même pendant une heure de temps? Non, ce sera pas de même pendant une heure de temps, mais là, écoute, ben, on est restreint dans le temps, fait que là, c'est ça, j'ai bien des affaires à te dire, fait que, pingue pas le saut. Fait que là, tu te dis, ben oui, mais il respire jamais. Non, c'est ça, c'est pour ça que des fois, dans mon spectacle, ça se pourrait que je termine mes phrases comme ça. C'est pas parce que je suis en train de mourir, hein, fais pas le saut. Non, c'est juste parce que je fais de l'apnée de la parole. Oh, wow, je suis allé là, c'est magnifique.